1-2-1-2. C'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une semaine spéciale gnocchi. Je vais vous proposer deux recettes de gnocchi différentes. Pas à base de pommes de terre, mais à base d'autres légumes, à base d'autres tubercules. On va commencer par ma première recette. On va faire des gnocchis de topinambour avec une petite garniture épinard. Vous verrez, c'est très très simple à réaliser, un peu long. Je vous laisse tout de suite avec la recette et on se retrouve après. Pour cette recette, il va te falloir 25 cl de crème, un œuf, une gousse d'ail, 200 g d'épinards frais, 300 g de topinambour, 150 g de farine, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je commence par éplucher le topinambour. Je le fais cuire 50 minutes dans de l'eau bouillante salée. Une fois cuit, je les écrase. Je rajoute l'œuf, la farine et le sel et je mélange bien. Sur un plan de travail fariné, je sépare cette pâte en trois parties. Je forme des boudins. Je découpe des petits bouts pour former des gnocchis. Je fais la sauce en commençant par couper finement l'ail. Je mets de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle. Je fais cuire 2 minutes l'ail. Je rajoute les épinards et je laisse cuire 10 minutes. Je rajoute la crème et je laisse cuire 2-3 minutes. Je fais cuire les gnocchis 2 minutes dans de l'eau bouillante salée. Je sers les gnocchis avec la sauce. Et c'est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Mon Twitter, mon Facebook, mon Instagram, c'est dans la barre d'infos comme la recette. Une très bonne journée et à vendredi. Youhou !